Salut tout le monde, c'est Soldat US. Alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo assez courte peut-être et aussi un peu spéciale car en fait je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel que j'utilise pour tourner les vidéos. Alors on va commencer sans plus attendre. Premier objet, c'est un peu un trépied qui s'allonge. Donc il est super cool, il s'allonge ou... Ouais, on peut appeler ça comme ça. Donc franchement il est vraiment super cool, moi je l'aime beaucoup. Donc on peut accrocher une caméra style GoPro, bon ça c'est pas une GoPro. C'est on peut, voilà, on peut accrocher une caméra qui se visse en fait, avec le pied qui se visse. Et ça franchement c'est super pratique. Et heureusement ils ont tous le même pas de vis, donc c'est vraiment super cool. Donc comme dit, il s'allonge, il devient assez grand quand même, hein, franchement. C'est ça qui est super cool avec celui-là. Donc il est en métal, en aluminium je pense, avec une petite mousse là. Et franchement, il est super cool, donc je l'utiliserai surtout pour faire des petits plans en mob. Et voilà, pour les balades. Donc voilà, pendant qu'on est dans les trépieds... donc il y a aussi celui-là, donc c'est mon tout premier trépied. Donc, comme dit, les pieds s'allongent aussi. Ah, je galère. Voilà. Bref, donc les pieds s'allongent. Donc voilà, comme ça, comme ceci. Donc il s'allonge, donc il y a aussi le même pas de vis que l'autre, hein, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc, on peut aussi accrocher une petite caméra. Voilà, franchement c'est super cool, ça j'adore. Donc puisqu'on en est là, donc voilà, c'est une autre une petite caméra. C'est un peu une copie des GoPro, hein, logique. Donc c'est une 4K Ultra HD. Donc elle est assez cool, bon elle a une qualité, bon ça passe, mais c'est pas ouf. J'ai de toute façon pour projet d'acheter une GoPro. Donc je verrai bien hein, laquelle je prendrai. Je vise peut-être la Hero 8 ou Hero 7. Donc je verrai bien. Donc celle-ci ça passe, mais bon c'est pas ouf. Donc voilà, ici c'est un petit micro-cravate qui se branche par exemple au téléphone en prise jack. Ou sur une grosse caméra, Lumix par exemple. Voilà, avec une petite prise jack. Et... Il s'accroche au t-shirt. Voilà, ça c'est super cool par contre. Donc voilà, il fait le taf, il marche assez bien, franchement ça passe. Donc voilà. Alors dernier objet, c'est mon stabilisateur vidéo pour téléphone. Alors je l'ai reçu à mon anniversaire. Donc c'est le Xiyun Smooth X. Donc franchement il est super cool, il marche du tonnerre, il est super cool. Donc il est à batterie, il y a deux moteurs dedans, avec donc logiquement je pense une ou deux batteries, qui se rechargent ici. Voilà. Donc il se déplie, en fait il faut avoir vraiment une technique pour le déplier. Il faut prendre l'habitude parce qu'au début on a un peu peur de le péter. Franchement je vous le dis, moi quand je l'ai reçu j'ai eu vraiment peur de le péter. Donc la technique je vais vous la montrer si vous l'avez chez vous. Bon je pense que vous devez, si vous l'avez chez vous je pense que vous devez savoir maintenant. Mais d'ailleurs aussi il y a un petit pas de vis. Donc ça aussi on peut l'accrocher aux deux petits trépieds comme je vous ai montré avant. Donc voilà, oui donc le système pour le déplier donc... On le tire en avant, voilà. Faut que cette partie là soit sortie en fait. Donc ensuite on le descend comme ça, voilà. On le descend, enfin on le monte, voyons, on le tord un peu. Ensuite on déplie ça vers la droite ou vers la gauche, c'est pareil. Et ensuite on met ça. Donc voilà, votre stabilisateur est monté, il est prêt à être servi. Donc il y a une application à mettre. J'ai pas le nom par cœur en tête, mais je crois que ça s'appelle ZY Cami, un truc C-A-M-I. Donc c'est un truc dans ce genre, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça le nom de l'application. Donc franchement, bah, j'aime beaucoup ce stabilisateur. Donc faut d'abord installer l'application et ensuite bah, vous le connecterez. Et donc tout se fera tout seul. Hein, bon, faut quand même mettre le téléphone un peu quand même au milieu, faut quand même un peu l'aider. Sinon, les moteurs vont se décharger super vite. Et donc ça va le fatiguer du coup, et donc faut un peu équilibrer en fait, vous voyez, faut le faire vraiment du mieux. Donc voilà, donc ici on a les petits joysticks pour tourner ça vers la gauche, vers la droite. Ici on a le démarrage de vidéo ou photo. Ici on a le bouton pour activer le zoom du téléphone. Ici c'est pour les différents modes, donc comme ça, donc, vous appuyez deux fois là-dessus, ça se met comme ça, une deuxième fois, deux fois, ça se met comme ça. Donc voilà, donc il s'allume ici, et ici on a une petite barre de pourcentage de batterie, c'est super pratique quand vous faites des vidéos. Donc celui-là j'utiliserai dans pas mal de vidéos, donc vous verrez bien, je vous mettrai sûrement le nom dans la description pour vous dire que j'ai utilisé ça.
Donc voilà. Et oui, donc pour tenir le téléphone, j'ai aussi un autre trépied. Assez grand, par exemple, celui-là, je l'utilise pour les TikTok. Donc je vous mettrai aussi le lien de mon nom TikTok dans la description. Avec le nom de mon Instagram, je vous mettrai tout dans la description. Donc c'est la fin de la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez la vidéo et likez la vidéo si vous voulez. Cette année, j'aimerais vraiment atteindre les 200 abonnés. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment les atteindre cette année. Avant Noël, ça pourrait être mon cadeau. Donc si vous voulez me faire un petit cadeau, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Soldat US. Salut!